Bonjour à tous, je vous présente ma parure d'inspiration japonaise. Voilà, je suis très, très attirée par l'Asie, le Japon en particulier, les coutumes, les costumes, les monuments, la cuisine. Et en plus, cet été, j'ai passé quelques jours à Toulouse où j'ai visité un petit jardin japonais à l'intérieur d'un grand parc et je l'ai trouvé absolument magnifique. J'en ai un très, très bon souvenir. Du coup, comme le thème était les vacances, j'ai choisi donc de m'inspirer du Japon. Je vous présente donc pour commencer le sautoir. Donc, il y a au Japon un petit objet assez emblématique, un petit chat porte-bonheur. Il s'agit d'une figurine d'une dizaine de centimètres, 10-12 centimètres. Il a une bonne bouille, il sourit, il apporte, paraît-il, à celui qui le possède chance et fortune. Il a toujours une petite patte en l'air, donc il a parfois les yeux ouverts, parfois les yeux fermés. Donc moi j'ai décidé de lui faire un petit clin d'œil. Voilà, ensuite le pompon rouge simplement pour appeler les lampions de l'Asie que l'on voit un petit peu partout en Asie. Le petit intercalaire, donc là c'est pour appeler les toits des monuments. Avec des petites pointes en l'air, j'adore, je trouve ça tellement, tellement joli. Et les perles, là, j'ai décidé de mettre des petits, je sais pas si on voit bien, des petits caractères asiatiques, vraiment très, très jolis. Vous verrez peut-être mieux dans les photos qui suivront. Ce sont de jolis petits dessins, j'adore. Donc voilà. Donc j'ai monté ces éléments sur des perles. Perles rouges, ce sont des rocailles, hein, simplement un petit peu plus grosses. Voilà, pour faire ressortir noir et or, pour faire ressortir le noir et le rouge du pompon. Ensuite, pour les boucles d'oreilles, donc là, je suis restée dans le thème avec les petits pompons. J'ai décidé de faire des petites carpes koi. Donc avec un pochoir Japon, et les monter sur des crochets dorés. Voilà. Et donc elles sont résinées, parce que j'aime beaucoup la résine, je trouve que ça donne un côté très très brillant. Même si parfois on peut avoir des surprises. Et qu'il faut recommencer. Voilà. Donc la bague, je me suis également servi de... servi de ce pochoir et j'ai fait des petites carpes en bague avec la résine toujours. Contre bracelet, donc là j'ai voulu rappeler les fleurs de cerisier. Donc j'ai donc fait un élément avec un éventail et ensuite ce sont des fleurs de cerisier donc sur les éléments intercalaires soit noir soit rouge pour faire assorti au bracelet. Voilà, et c'est résiné également, donc bracelet monté sur élastique. Voilà. Merci beaucoup Clary pour ce concours. Je pense pas que je serais allée aussi loin dans la réflexion si j'avais simplement voulu me faire une petite parure pour moi. Donc les concours permettent de se dépasser un peu, de se creuser la tête. Et c'est super. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. Et donc c'est ma première vidéo sur YouTube. Ça m'amuse beaucoup d'ailleurs de faire ça. Donc j'espère que ce sera pas loupé. Voilà, j'espère que mes bijoux vous plairont. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Thank you.